Alors ça, c'est une dédicace pour Fredo, mon frère. J'ai deux frères, Fred et Philippe, et ils sont tous les deux nés ici. Je vous ai déjà raconté cette anecdote. Voilà, c'est l'ancien hôpital de Thiers. On voit un hôpital avec une chapelle. Et en fait, cet hôpital, j'ai eu une discussion avec mon frère Fred. Fred, tu te rappelles? Mon frère, il a grandi pas longtemps. Il est resté jusqu'à 3 ans, d'après ce qu'il m'a expliqué. Donc, il est né dans cet hôpital et il a qu'un seul souvenir d'enfance. Jusqu'à 3 ans, c'est vrai que c'est compliqué. C'est qu'il s'était pris un angle de meuble dans la figure, je sais pas quoi. Et il a été opéré donc ici, dans cet hôpital. On va passer devant, près d'eau. Tu ne peux pas te rappeler, mais apparemment tu as déjà souffert, comme il dit. Premier souvenir, c'était une galère. Donc tu as dû rentrer par ce portail avec maman, qui t'a amené te faire soigner dans cet hôpital. Le pauvre Bichette. Je ne sais pas combien tu as eu de points de suture, mon petit. Mais sache que ton frère, des points de suture, il en a eu. Je les compte plus. Hein. Maman qui, alors elle, moi c'était l'hôpital de Saint-Jacques, le CHU. Les urgences avec maman, t'inquiète pas, je les ai connues. À chaque fois que je m'ouvrais la tête. Voilà, c'était une dédicace à Fredo, mon frangin. Ouais, mais t'es un dur, Fred.